Eh bien bonjour à tous, c'est Overflip et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une annonce recrutement d'ailleurs pour une team League of Legends. Donc la team Stars FR, FR c'est juste pour dire qu'on est français. Donc je vais recruter pas mal de monde, enfin on sera 9 dans la team bien sûr, c'est le maximum. Sinon j'aurais peut-être pris plus de monde, je sais pas. Mais je suis resté à 9 donc je suis désolé pour ceux qui ne seront pas recrutés. Donc alors pour être recruté dans la team League of Legends, donc c'est pas une team troll du tout, c'est vraiment une team vraiment sérieuse. Que si je vois que ça va vraiment bien, il y aura peut-être des possibilités de tournoi et avoir des t-shirts et tout, enfin on verra. On verra comment ça se passe. Donc pour être recruté dans la team, ça se passera dans les commentaires de cette vidéo. Donc il faudra que vous mettiez votre nom de League of Legends en premier. Donc par exemple Jojo la bifle ou Gaga la bifle, on s'en fout. C'est un exemple. Oui, parce que Gaga la bifle existe. Oui, oui monsieur, bon c'est pas grave. Donc ensuite vous ferez une virgule ou ce que vous voulez pour séparer, plus original sera bien. Votre position que vous voudrez jouer dans la team. Donc ce sera deux positions, vous choisirez pas ouais j'ai tout faire, j'en doute pas que vous savez tout faire, mais ce sera vraiment vos deux postes main pour pas qu'il y ait d'embrouille, genre on commence à DC, enfin la partie notre ADC par exemple veut top alors que le top c'est que top, là ce sera dans la merde. Donc à ce moment là on fera tout ça avant chaque début de partie. Donc moi par exemple j'ai mis top ADC, c'est pas du tout mes postes hein, je les mettrai et je verrai en fonction des vôtres, parce que voilà, pour le moment je suis un peu mitigé entre top, mid, jungle, je sais pas encore, ADC je suis pas chaud, support oublié. Donc vous allez mettre aussi votre âge, parce que votre âge si vous avez, je vais pas donner d'exemple, mais si vous avez pas une maturité assez grande, même si j'ai que 15 ans, voilà, si vous avez pas de maturité c'est assez dérangeant, mais bon ça peut encore passer. Donc Skype, oui, non, c'est pas votre Skype qui a fait un bruit, n'allez pas voir, c'est mon Skype, voilà. Donc ensuite, vous mettrez votre nombre de victoires. Moi, j'ai mis 280, c'est au pif, j'ai pas du tout 4280, je sais plus du tout. Donc ensuite, vous mettez votre niveau de classé, donc j'ai mis Silver 3 par exemple, vous mettez ça. Genre, même si vous êtes Bronze 5, ça changera rien, c'est juste pour que je note ça sur le papier, enfin... Le bloc-notes que j'ai ici. Donc je vais noter toutes les personnes qui veulent y participer. Donc tout le monde qui mettra son truc dans les commentaires sera dans la phase de recrutement. Donc je ferai des matchs de recrutement où je me mettrai en spectateur pour sélectionner. Donc des phases de sélection, je me répète. Donc si vous êtes diamant 1 et que vous allez troll la game, vous serez jamais pris. Je m'en fous de votre niveau de classé. Si vous trollez, c'est pas ici, c'est pas votre place. Donc ensuite vous mettrez votre pseudo Skype, puisque dans la team il faudra Skype pour donner des stratégies et de ne pas se faire gank sans le savoir. Parce que si vous écrivez SS alors que l'autre est déjà sur le mid se fera bouffer et ce sera un kill gratuit. Alors que si vous l'avez dit directement oralement, ce sera y aura pas de problème. Donc ensuite vous mettrez votre nationalité, c'est pas obligé. Je m'en fous en fait. Par contre, si vous venez du Pérou, je veux dire. J'ai rien contre les Pérounais ou je sais pas comment on dit. Comment est-ce qu'on dit leur nationalité. Mais voilà, ce sera pour les tournois. Ce sera surtout France, Belgique, Suisse, tatata. On sait. Genre, si à la Paris Games Week, il y a un petit tournoi de LoL d'équipe classée, peut-être qu'on y participera. On verra bien comment ça se passe. Ensuite, vous mettrez pour les déplacements de tournoi, donc nationalité et déplacement de tournoi, ça va ensemble. Donc si ce sera possible ou pas, vous n'êtes pas obligé de mettre oui, hein. Si c'est non, c'est non, c'est pas grave. Il nous faudra au moins 5 personnes qui mettent oui dans la team. Donc vous avez 4 chances sur 8 quand même d'avoir votre place dans la team, même si vous mettez non. Donc voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo recrutement. Donc je répète, mettez tout ça dans les commentaires, je vais prendre tout le monde, je vous ajoute sur Skype et je ferai des groupes de conv pendant les phases de... enfin les matchs de recrutement. Ne vous inquiétez pas si vous perdez le match, c'est pas grave, je regarde surtout comment vous jouez. Si vous êtes un support, genre vous jouez support Léona mais que votre ADC c'est une sous-merde, je verrai vraiment, je vais surtout vous regarder vous. Puisque je vais voir que votre ADC galère, donc il sera pas sélectionné.
Enfin, galère. Je veux dire, s'il joue vraiment mal, il sera pas sélectionné. Vous, si vous, par contre, vous êtes un super bon support et c'est lui qui n'y arrive pas, vous serez pas pénalisé du tout. Je vais regarder le niveau de chaque joueur et je ferai un petit tableau et à la fin, ben, je verrai bien. Je devrais sacrifier le nombre de personnes qu'il y aura. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne Capitaine Flamme si c'est pas fait, aussi à ma chaîne Overflip Dofusien, même si je fais plus de Dofus parce que j'arrive pas à tenir ce jeu. Franchement, Dofus, c'est bien, tout ce qu'on veut. Franchement, j'aime bien, mais j'arrive pas à tenir plus de 3 mois non-stop sur ce jeu. Donc, League of Legends, ça fait 2 ans que j'y joue en tout, hein, je veux dire, j'ai repris il y a un an. Donc ça fait 2 ans que j'y joue et voilà. Voilà. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'est bye.